Des barrages routiers en flammes, désertés par les miliciens pro-russes qui les avaient dressés. Après avoir avancé pendant la nuit, les forces armées ukrainiennes ont finalement mis leurs menaces à exécution, lançant des attaques sur 3 barrages pro-russes en périphérie de la ville de Slaviansk. Nous sommes ici à une quinzaine de kilomètres de Slaviansk. Ces soldats ukrainiens viennent d'arriver ici. Ils sont en train d'établir des positions tout autour de la ville en attendant un assaut en bonne et due forme contre les miliciens pro-russes retranchés au centre-ville. Bien décidés à éviter les erreurs passées, les soldats ukrainiens se sont installés dans une zone déserte bien loin des habitations pour ne pas voir à nouveau des citoyens pro-russes s'interposer devant leurs blindés et bloquer leur avancée. À Slaviansk, la nouvelle de l'arrivée des forces ukrainiennes a fait le tour de la ville comme une traînée de poudre, semant l'inquiétude au sein de la population. Alexis dit ainsi avoir vu des hélicoptères survoler la ville et larguer des tracts pour demander aux habitants de rester chez eux. Bien sûr que ça fait peur, j'ai peur aussi, dit-il, mais je ne sens pas le besoin de me cacher chez moi pour le moment. A priori, tout apparaît calme ici, si ce n'est que les miliciens pro-russes qui sont retranchés dans l'hôtel de ville ici ont renforcé leur position en prévision d'un assaut qui apparaît aujourd'hui plus que jamais imminent. À l'intérieur, le nouveau maire autoproclamé de Slaviansk a affirmé que les militants pro-russes tués dans la journée sur les barricades étaient désarmés. Avant de réitérer son appel à l'aide lancé à Vladimir Poutine. Un appel visiblement entendu. Utiliser l'armée contre sa propre population, c'est sans aucun doute un crime grave, a dit le président russe, avant de préciser que le geste aura des conséquences. Des conséquences rapidement concrétisées, Moscou lançant immédiatement de grandes manœuvres à proximité de la frontière avec l'Ukraine, faisant monter encore d'un cran la tension dans la région, faisant surtout craindre une invasion russe en bonne et due forme. Seule bonne nouvelle de la journée, la libération du journaliste américain Simon Ostrovsky, kidnappé en début de semaine par les miliciens pro-russes à Slaviansk. Il nous a accordé sa toute première entrevue, quelques minutes seulement après avoir été relâché. Ils m'ont traité de journaliste menteur, dit-il. Ils m'ont battu, attaché et mis un bandeau sur les yeux. Le journaliste, maintenant de retour à Donetsk, affirme que son enlèvement était ciblé, que les miliciens pro-russes qui l'ont capturé sur un barrage routier était en possession de sa photo. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Slaviansk.